Le coup d'envoi de la saison estivale de la wilaya de Tipaza a été donné hier depuis le complexe touristique La Corne d'Or en présence du wali de la région. Cette saison estivale sera marquée par la disponibilité de toutes les commodités en matière de sécurité et de loisirs et les estivants doivent préserver la propreté du site. Et concernant la réhabilitation des centres touristiques de la wilaya, Hamou Yahya, directeur général de l'entreprise de gestion touristique de Tipaza, nous donne plus d'explications. On a parlé de rénovation des hôtels ainsi que des complexes. Donc la réhabilitation des complexes et des hôtels, elle a touché tous les complexes et tous les hôtels d'Algérie. Parmi les complexes, donc la Corne d'Or, parmi le GT Tipaza plutôt, qui est aussi concerné. Donc déjà, on a un complexe qui est au taux d'avancement des travaux. Il est à 50-55%, c'est le 7. Et bientôt, Inch'Allah, à partir de septembre, donc on va lancer les travaux de réhabilitation des bungalows restants de la Corne d'Or, qui a à peu près 70 bungalows. Donc on va les relancer et on va les mettre à niveau. Et quels sont les tarifs proposés aux estivants? Avec des tarifs préférentiels, promotionnels, tarifs pour famille, tarifs pour étudiants. Toutes les installations nécessaires sur les plages de Tipaza ont été mises en place pour bien accueillir les estivants.